Trade fait ici de la désinformation, et c'est pas la première fois que je le constate. On verra plus tard que ce monsieur a en effet un comportement raciste, mais il n'est pas celui que prétend Trade. Déjà, ce monsieur ne dit pas « je n'aime pas les Noirs, je n'aime pas les Arabes ». Tendez l'oreille et regardez ses lèvres bouger. Il dit clairement « il n'aime pas les Noirs, il n'aime pas les Arabes ». Ce monsieur fait référence à Zemmour et Reconquête, dont cet homme noir est représentant ou pour qui il tracte tout simplement. De toute façon, ça fait sens. Vous n'entendrez jamais un gauchiste blanc agresser verbalement un noir dans la rue. C'est le contraire même. Les gauchistes blancs vouent un culte à tout ce qui est bronzé et abhorrent tout ce qui est un peu trop caucasien à leur goût. Ils aiment tellement les noirs qu'ils les considèrent comme de petites choses fragiles à mi-chemin entre un enfant de 4 ans trisomique et un bébé phoque. Et c'est là que réside le racisme. Ils ne réalisent même pas que leur bienveillance excessive envers les populations d'origine africaine traduit un paternalisme post-colonial dégoûtant. Pour eux, le noir est un petit être fragile, incapable de discernement et de libre arbitre. Le noir de droite est pour eux par conséquent une petite chose perdue qu'il faut remettre dans le droit chemin car ce dernier est incapable de comprendre par lui-même qu'il fait fausse route. Si un noir est patriote, c'est forcément une personne manipulée et domestiquée par le grand méchant blanc. Ouais, c'est sûr qu'au midi, c'est un peu vachement la faute à la société. Tu vois. Or, infantiliser un adulte responsable ne souffrant d'aucune pathologie mentale sur la base de son appartenance ethnique d'origine, c'est le considérer comme inférieur, et considérer une personne comme inférieure en raison de sa race, c'est précisément ce que l'on appelle du racisme. Ouais, c'est pas faux.